ici sur scène il y a bientôt 12 ans. Ça m'a pas quitté, je suis condamné et je m'en plains pas. Donc voilà, après 12 ans, je me revendique. On respire. Performeur poétique de l'État islamique de Belgique. Je suis un slameur, la cravache en sueur, sadomaso épistolaire qui s'entaille les mots à coups de stylo et de verre. Qui, tel un poète de la rue, à l'afflux de tout ce qui l'inspire dans cette ville pleine de martyrs, réduit à l'état de fourmi, bien obligé de trimer pour subsister, je pense à toutes ces plantes emprisonnées dans leur béton coulé, enclavées dans ces parcelles de terre, vaste semblant de ce monde si précaire. Comme un ultime rempart à ces forêts d'habitations qui de part en part de ces petites parcelles qui sont entremêlées, vivent des gens qui se connaissent à peine. Semant le doute, sentiment que tout le monde redoute, celui du malaise social, table bancale où l'on pose nos questions, réflexion m'a placé, préférant critiquer plutôt que de sympathiser. Zombifié par la télé et maintenu en cyber-vie sociale par un immense réseau international, leur donnant l'impression d'avoir des amis dans différents pays, alors qu'avec leurs voisins, ils sont incapables de communiquer. Tel un poète de la rue pétant un câble sur cette triste humanité, se déverse dans ma tête comme une pluie de mots, de tous ces mots qu'ils ont enfuis dans ce monde pourri. Car une fois encore, je vois la télé, j'entends la radio, qu'un enfant d'un an et demi est mort dans un incendie. Bambino, bambina, encore un bambino mort photo. Bambino, bambina, regarde bien autour de toi, car le danger vient de là. Pas facile d'être un enfant quand la mort vous attend en tournant. Et si ce n'est pas de fin, si ce n'est pas dans un incendie, c'est pas dans une balle. Hein? Et si ce n'est pas dans un incendie, c'est d'une balle dans un estomac ou parce qu'il meurt de faim depuis des mois. Tel un poète de la rue, j'exprime ainsi mon désarroi face à une réalité ainsi mise à nu, faisant tomber les derniers remparts pour l'amour de l'art et non celui des dollars. Nouveau texte, nouveau texte.